Bienvenue. Je suis Longinus. Et toi? Tu es Edge. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Qui vend des flingues? Bien sûr. Car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons flingues. Révélation 5-5, c'est une lecture très revigorante. Alors l'un des vieillards me dit... Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses 7 sceaux. C'est notre sauveur, notre sauveur! Il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire, si le Fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il? Quel... Quand le Christ revient pour briser les 7 sceaux et amener le ravissement, il est le lion, pas vrai? Et un lion, ça a besoin de crocs. Quelle flingue choisirait Jésus? Deutéronome 32-47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien... Proverbe 19-11. L'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Je comprends pas ce Un que soldat vous... sait. Les soldats savent toujours. Car nous avons vu le ravissement. Et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, Edge. Chaque arme est une Bible. Et chaque balle, un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagan, je te ferai un don. Un cadeau. C'est la volonté de Dieu. Tiens. Voici déjà le premier. Banapour se fait attaquer! On a besoin d'hommes, et tout Sabal, de suite! Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! Ne t'embête pas, Arsec! Alors il leur dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création! Thank you.
suis là, Sabal. Qu'est-ce que je peux faire? Putain! Reste à couvert et sauve tous ceux que tu pourras. Je suis pas loin, j'arrive avec des renforts.
communautaire. C'est là que se trouve Badra. Edge, double là. Badra, t'es où ?